j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Kalia la beauté et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'une collaboration entre le 11 YouTube Gang et la marque Gastronomie Gabonaise. Alors, cette jeune marque a été fondée par Ornélie et Sarah Yeno, deux passionnées de la cuisine. Alors, elles ont eu comme magnifique idée de regrouper 38, imaginez bien 38 recettes gabonaises dans un seul livre. Chaque recette est traduite en anglais, en français et en langue vernaculaire les plus parlées au Gabon. Pour moi, j'ai choisi une recette de la province de Longwe-Ivindo. Donc, j'ai 6. Je vais préparer le paquet de poissons. Comme je vous ai dit, il y a 3 traductions dans le livre. Donc, il me faudra 2 poissons, de l'oseille, un oignon, du piment et l'anglais. Je pense que c'est du gros sel qui permet de garder la couleur de l'oseille dans le paquet. Donc ensuite du sel et 2 feuilles de bananier. Donc je vais préparer tout ça. Alors, dans la recette, on nous dit on veut nettoyer le poisson et de le découper en morceaux. Comme je vous ai montré, j'ai déjà préparé le poisson. Ensuite, on demande d'ajouter un mélange pilé de sel, piment, élangeais, oignon, puis l'oseille. Moi, ici en Afrique du Sud, j'ai vraiment galéré pour trouver l'oseille. J'ai même pas trouvé quasiment. Donc, j'ai juste changé l'oseille avec les épinards. Mais vous, je vous conseille d'utiliser l'oseille parce que je suis sûre que forcément, les gens de Longwe-Ivindo savent qu'ils ont demandé de mettre l'oseille. Maintenant, nous, là, hein? Je vais mixer tout ça parce que j'ai pas de mortier, malheureusement. Je sais pas si je suis une femme de l'Afrique ou pas. En tout cas, donc je vais mixer mon épinard à l'intérieur. Je vais ajouter les oignons. Ensuite, le élangeais. De l'oignon. Je vais garder une petite partie d'oignon découpé comme ça. Que je vais mettre dans le paquet. Et celui-là, je vais mixer. Vous en faites pas, hein, mon mixeur. C'est un fou. Donc, je mets mes oignons. Le sel. La moitié du piment. Pour mixer et je vais mixer tout ça. Donc c'est prêt, je vais mélanger tout ça avec le poisson. Donc je reste ma cuvette, je la rince, ensuite je vais mettre le poisson dans ma cuvette pour pouvoir bien mélanger. D'épinards ici pour pouvoir mettre dans le paquet parce qu'à un moment donné il faut forcément un peu trouver les légumes, donc ne vous en faites pas si vous trouvez que c'est trop écrasé. Pour moi, je pense que c'est pas mal, ça fait comme si c'était assaisonnement alors que c'est pas ça du tout. Donc voilà, je vais goûter un petit peu. Ah ouais, on sent le piment, hein. Le petit bout du le petit sel là, vraiment au fond là, pas mal. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Notre livre nous dit mélanger le tout et attacher les feuilles pour former des paquets. Donc, il faut savoir que j'avais des feuilles de bananier que j'ai lavées et que j'ai enlevé l'arrière, la sorte de tige. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Donc, j'ai mis ça dans mon petit bol comme ça, sans avoir le creux à l'intérieur. J'ai enlevé les tiges de l'arrière pour que la feuille soit plus molle et je pourrais facilement la mettre dans mon saladier comme ça pour avoir la forme. Donc, je prends mon poisson que je vais ensuite mettre dans mon paquet. On place comme ça. Faut vraiment faire attention, faut pas que vos feuilles soient cassées, hein. Sinon tout ça, ça va sortir. Ok, donc entre deux poissons, je vais ajouter un peu les épinards que j'avais coupés, comme ça. Ouh, il était vraiment long. Et je vais mettre un peu d'oignon. Je vais passer comme ça, histoire que ce soit parfait. Je tiens encore à préciser qu'il vous faut l'oseille.
Moi, j'ai pas eu l'oseille, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Donc, j'ai pris les épinards à la place. Mais vraiment, vous prenez l'oseille. Ensuite, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai tiré les tiges de l'arrière des feuilles. Et ça m'a donné des sortes de... Je peux pas dire si ce sont des lianes, hein. Mais je vais les utiliser quand même pour fermer mon paquet. Donc, voici déjà mon paquet. Il me manque que le piment que je vais mettre ici. Je vais mettre aussi celui-là. Comme ça. Comme ça, s'il pique, c'est pas bien grave. Là, ce qu'on va maintenant faire, c'est de refermer le paquet. Et c'est là où ça va devenir technique. Donc, qu'est-ce que la recette dit ? Mélangez le tout et attachez les feuilles pour former des paquets. Ensuite, précuire à la vapeur. Donc, je vais lire en langue vernaculaire. Je pense que c'est le quota, si je ne me trompe. Donc, elles ont dit Wachi Lomba Obeya Nibutuku Lanzo Mwamunya Wadipwe Wapini Tumba Omunya Mwametonga. Ok, donc je vais utiliser mes ficelles maintenant pour fermer mon paquet. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est qu'il faut rattraper tout ce monde en même temps, comme ça. Il faut vraiment bien fermer votre paquet, sinon ça va être la cata. Ok, du coup, je vais transférer tout ça ici. Avoir une meilleure maîtrise. Là, comme ça. Le paquet est vraiment gros. Hein. D'un paquet moderne, je tiens à préciser que ici là on trouve pas les feuilles bananes. Moi j'ai trouvé, donc il n'y a pas de oh non machin. Ah, c'est quel paquet ça? C'est le paquet sud-africain, c'est tranquille. Donc on va d'abord précuire à la vapeur, ensuite on va mettre à 45 minutes au four. Donc c'est parti. Voilà, ensuite on va glisser à la vapeur. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis des bonbons en bas. Ensuite, j'ai mis de l'eau en bas pour que ça puisse donner l'effet vapeur. Voilà le résultat. Ça sort encore à peine du four. C'est super chaud. Je vais ouvrir. Voilà, on espère que notre poisson. Qu'est-ce qu'on voit là? Un bon poisson. A bien cuit à la vapeur. Donc, voilà notre plat final. J'ai pas pris beaucoup de sauce, mais c'est pas grave. Voici mon paquet. Je suis fière quand même pour un premier poisson, un premier paquet. Pas mal. Comment tu trouves? C'est très bon. Sérieux? Et le bimou, il est pas trop fort. C'est fort parce que j'aime pas le piment en fait. On n'aime pas le piment chez nous, donc du coup, on peut manger ça comme ça, on peut s'en passer du piment. C'est super bon. Je vous encourage vraiment à reproduire ça chez vous. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, de me laisser de gentils commentaires. Ne parlez pas des épinards. Laissez ça l'air comme ça, j'ai compris. Laissez. C'était une très belle expérience pour moi. N'hésitez pas d'aller regarder les vidéos des autres YouTubeuses. Du 11 YouTube Game, parce que c'est notre gang. À bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à vous procurer le livre parce qu'il est super 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 bien.